Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Dans une lettre tout ouvrie qui est écrite par un ensemble de leaders élus officiels et par Boycott aux États-Unis, qui est le National Haitian American Elected Official Network. Donc, c'est John Dula, c'est des gens qui, à l'élection, ils ont représenté en différents postes, députés, magistrats. Et avec un autre mouvement, tout qui est le Family Haitian Network Movement, ça veut dire femmes, eh bien, ils ont écrit une lettre à l'administration Biden pour dire qu'ils ont opposé avec M. Ariel. Ok, ils ont opposé avec M. Ariel, notamment de l'administration Biden pour voyager bien loin. Ariel, comme alternative, Ariel Pataka fait partie des solutions. Et par conséquent, le groupe ça a dit que toute intervention, notamment groupe intervention et sous le leadership de Kenya qui pourrait le faire là, ils pensaient que l'intervention ça pourrait le faire que consolider le pouvoir par Ariel. Et par conséquent, ils ont justement opposé une intervention qui a bien couru supporter eh bien Ariel au pouvoir, qui ont pensé qu'il s'est véritable mal payé. N'importe intervention militaire d'après le groupe ça, en fait, qui a bien supporté un leader qui a un leader répressif, un leader qui n'est pas élu, qui a fait corruption. Je pense que c'est pi mal, il a fait pi mal. Et il a plongé le pays en crise, plus d'après le groupe de coalition des leaders élus de nationalité et d'origine haïtienne. Et il dit que le plan ça, justement, en d'autres termes, pour eux-mêmes, ils étaient doit faire, mais l'IPAT a supposé faire avec Ariel au pouvoir, l'IPAT a supposé faire avec PHTK qui au pensé qui justement et mène nous dans cette là tête calée. Et donc ils ont demandé justement à l'administration Biden pour que pressé ils a retiré tout support avec Dr Ariel Henry et justement pour que monsieur pour ta force monsieur négocier avec société civile et d'autres groupes pour capable joindre une solution pacifique avec crise politique ça advocacy group tant que Jean Ndoulia et NHA et non avec femme yo depuis des années yo fait comprendre que depuis des années que gouvernement Ariel Henry qui c'est une continuité de PHTK bien lui fait le complice de violence gang yo justement et c'est lui même qui crée c'est eux même qui crée une condition propice avec ça n'a vivre là et régime ça qui est brisé toute structure démocratique et pendant que la facilité fait des concessions avec plusieurs gang leaders gouvernement PHTK et qui fait comprendre qu'il pas jamais fait une élection équitable il crée une culture de corruption qui est côté que yo prend tout fond dans le gouvernement pour faire avec Payo. Et donc, PM Ariel Henry, nous en tout connaît, qui c'est une figure transitionnelle, chef de gouvernement, premier ministre, et depuis bien longtemps, administration Biden et d'autres forces internationales qui travaillent avec lui. Donc, leader ça, yo, en fait, leader, nous bien dit, c'est des personnalités nous capables de citer, tant qu'une femme que nous connaissons en pile, qui c'est Marlène Bastien, qui toujours dans en pile bataille, actuellement, qui c'est une commissionnaire à New York. L'Ipami Moon, justement, qui écrit l'aide ça, qui dit qu'il est opposé avec toute mission militaire qui pourrait renforcer gouvernement et de corruption, gouvernement illégitime qui caractérisé par le gouvernement de Ariel Henry. Donc Mounsaïo pensait que il faudrait que effectivement dans toute intervention qui pourrait faire dans le pays d'Haïti, il faut que l'État passe par ça un changement de régime, un changement de gouvernement. Faut nous dire que un pile groupe politique pas bon ici mettait d'accord pour que effectivement pour intervention militaire à faire avec un autre régime. Mais le vrai problème, faut nous dire nous d'accord que démarche ça c'est une démarche que nous sommes capables de dire bienvenue de la part de ces leaders qui forment une coalition des leaders élus d'origine américaine
et qui gagne une certaine représentativité, certes, mais le vrai problème, faut nous dire, il faut toucher la plaie. Faut nous relever les bagages à parler en ligne, c'est que juste dans le moment où on a parlé avec vous là, ces différents secteurs, il faut le dire, n'arrivent pas à s'entendre pour proposer un véritable alternatif. Donc, ces différents secteurs, donc, pas arriver justement, mettre tête ensemble pour au bail. Ils ont une véritable alternative avec Ariel et ça qui rend que Ariel gagne une certaine représentativité sur le plan national puisque eh bien tellement entre différents groupes ça eh bien c'est une capture tout ya sous l'autre. Le problème c'est que malgré Jean Pays là n'est pas intéressé par en question de pouvoir conquérir le pouvoir. Donc je ne veux dire avant de dire ça, il est clair que effectivement tout le monde comprend ta gain nécessité pour que différents secteurs de la vie nationale. Nous, l'un des différents secteurs, tout le monde est là-dedans. Donc, le secteur religieux, les journalistes, les professionnels, tout groupe syndicat, tout groupe qui a une certaine représentativité, justement, tu as supposé faire un gros rassemblement côté tout le monde chita et nous dit 1, 2, 3, 4, 5, mes côtés niais, mes côtés ne peuvent aller, mes grands plans, et pour que, effectivement, y ait un gouvernement de consensus qui a gagné un mandat clair et net. Et côté que deux premiers points, c'est à stabiliser le pays avec le concours, bien entendu, de l'international, stabiliser, déstabiliser, rétablir la paix. Et deuxième phase, c'est à pouvoir justement relancer et bien s'intégrer un système démocratique à travers les élections. Donc nous pensons que c'est une véritable alternative. Et est-il possible au moment qu'on a parlé là? Mais il faut dire que, effectivement, ça va demander des pressions. Puisque pas attendre que Ariel dans son bon gré pour elle dire bon ok m'bay vague vrai c'est des choses non et ça va pas le fait mais quand même si monsieur c'était si un sentiment un minimum de sentiment de patriotisme qui traversait il t'a rendu compte que situation dégénérée et qu'il t'a supposé tirer la référence by d'autres by un autre monde justement une personnalité qui capable faire consensus puisque Je dis, Ariel n'a pas qu'à faire consensus. C'est ça, vous ne comprenez pas. L'homme Ariel, vous mettez avec avocat PEP là. Donc, c'est des mondes que toute communauté a rejeté, qui représentent un mauvais souvenir en Aïmer. C'est la perspective là. Donc, on a parlé, on connaît que près de 150 000 mondes qui déplacés, qui sont obligés de déplacer à cause de violence qui est un peu partout. C'est une situation assez difficile. Nous voulons rappeler dans le cadre de Bagaïsa, c'est à peu près 60 organisations et individus. Ok? De Sandaré, Afrique Union qui m'a dit pour rejeter le régime de facto de Ariel pour assistance internationale communautaire. Ok? Donc, c'est ça pour nous comprendre là. Il faut me dire que toute proposition qui a demandé le départ d'Ariel, clair que la besoin approuval de population qui vraiment fatiguée par situation ça. Faut nous préciser s'il est vrai que tout le monde est d'accord que une intervention militaire et justement en fait et une demande côté qui est demandé pour écarter Ariel Henry bienvenue mais faut nous dire que groupe ça en fait pas oublier que c'est des monde qui vivent aux États-Unis. Et nous pensons que il y a des réalités oubliées. Il va aller plus loin côté que on dit dans n'importe condition pas supposé qu'il y ait aucune intervention. Par contre si vous comprenez ça vous demandez OK et pour eux-mêmes c'est à tout simplement causer zame. OK et moi pense que en pile monde monde ça si vous t'a vivre dans pays d'Haïti côté que il y a violé petite, il y a violé maman, papa. Et tu as compris que en fait il oublié tout que et gain en pile policier venait jodi à la malheureusement et qui sauvait c'est ça lié parce que yo victime tout le monde capable constater fort souvent police là qui fait face à une certaine incapacité pour la compromission donc il est clair que venait jodi a pas supposé gain discussion sur ça nous besoin yo appui OK de police internationale pour backup police là justement pour nous capable faire face avec gang ça ça clair ça va pas supposé un sujet de discussion et nous t'a pensé que nous t'a souhaité que groupe ça
justement à réfléchir et à aller sur le terrain pour comprendre la réalité que nous avons vécue, pour comprendre que je ne dis pas, la population ça n'a pas attendre encore. Ok, nous la population n'a pas attendre encore. Certes, nous d'accord pour retirer support avec Ariel, mais il est clair que nous besoin véritable accompagnement pour rétablir effectivement sécurité dans le pays. Ok.